faut pas vendre ça au Japon, hein. Aux Chinois, parce qu'ils vont les reproduire. Hein. Là, non, pas du tout. Je suis de monolé.com. C'est un reportage sur l'APSA. Monolé.com. Tu connais pas monolé.com? Ouais. Ça fait Si, si, c'est un blog de internet. Oui, c'est ça. Il est même sur Facebook, je crois. Oui, ça. Oh là, on va se retrouver dans des affaires à douche. Oh non. Il y a de très beaux dessins, hein, je dis. Et j'ai aussi pas mal de connaissances qui exposent. Et ça leur fait plaisir en fait de montrer que leurs œuvres, je dirais. Donc là, on peut aller sur monolé.com et il y aura un reportage. Synthétisé. Ah oui, j'imagine. Sinon, les gens, ils vont s'endormir. C'est trop long. Est-ce qu'on s'endorme? Oui, avec ta musique bretonne, on s'endort. Il y a tellement d'œuvres. Tellement d'œuvres. Et de différents styles. Est-ce que ça marche bien? La communication, elle doit être dans tous les sens. Et donc, vous voyez, c'est vrai que si on côtoie, enfin, on a un contact avec vous, on vous dit, voilà, on va faire une expo, là, on peut. Oui, tout à fait. Ok. On a un contact, on a une adresse email, tout ça. Oui. Ben moi, je vais vous donner mon adresse email et puis. Et puis je vous enverrai et puis je vous donnerai les contacts. Ok, d'accord, pas de problème. Dans une grande ville comme ça. Vous avez le mien aussi? Ou alors quand sur internet. Oui. Bonjour. 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 C'est pour France 3 ? Pas tout à fait, non. Pas encore. On est sur Aulnay 3 là. C'est mon nom les .com. Ah, enchanté. Enchanté. J'ai déjà été sur mon nom les .com. Ouais. Ouais. T'as pas vu mon tableau sur mon nom les .com ? Ça reflète dans les. Ça reflète un peu, mais je dirais bon, le principal c'est de montrer aux différents lecteurs ce que l'on peut offrir pendant ces expositions. Ouais. Et puis surtout nouer des liens. C'est-à-dire que dès qu'il y a une exposition quelque part sur la ville de Nessoubois, on nous informe, on fait un article. Pas, là. Si, si, vous aviez. On a fait un article. Ah oui, c'est Christian P qui vous l'a dit. Exactement. Il m'a envoyé toutes les informations nécessaires. Onlay.com. Monolay.com. Monolay, d'accord. C'est bien. Non, j'ai jamais. Non, ils m'ont rien de rentrer, donc je ne savais pas. C'est tout ce qui se passe à Onlay. D'accord. Alors, tu me disais,
Donc tu as fait alors, tout mouiller, le papier. Oui. Parce que là, t'en as servi qu'un peu. Oui. Mais c'est un modèle qui est de bonne qualité. On a aussi des outils de compression qui permettent de... Ouais. Il y a des œuvres assez particulières. Ah ouais, ouais. Mais toi, vous exposez combien de fois dans l'année? À peu près. 6 fois. Ici, on est là pour une bande de copains. On a dû faire plutôt la fête que vendre des tableaux. Est-ce que ça part assez bien finalement? Non, c'est mal. C'est mal en ce moment? Ah oui, il n'y a pas de soucis. Ça marchait bien jusqu'à il y a 2-3 ans. Et puis oui, la crise est arrivée par là. Et on va vous retrouver ça sur quoi? Monolnay.com. Ah, sur Monolnay, d'accord. Okay. Est-ce que tu peux réciter? Repenser un contrat pour deux mois. Franchement, quand il y a du soleil, c'est là où c'est plus difficile. Mais dans l'ombre, ça va. C'est quand il y a du soleil, on a le reflet. Ah, le reflet, ouais. Ça s'embête. Voilà. Et on a le droit de sortir. Genre, oui, aucun problème. Ouais. Vous pouvez reprendre. Car on va y chercher, on ne sait même pas si c'est lui qui dessine la ligne. C'est comme quand j'étais allée avec mes élèves et tout dans Lyon, à l'atelier imprimerie de gravure, vraiment traditionnelle, etc. Et ils arrivaient. Encore plus accentué à l'heure d'aujourd'hui.